Courage et ses enfants, pièce en 12 tableaux de Bertolt Brecht, musique de Paul Dessau. Premier tableau. Printemps 1624. Le maréchal de camp Oxenstiern recrute des troupes dans la région de Dalarne, en Suède, pour mener sa campagne contre la Pologne. La cantinière Anna Fierling, plus connue sous le nom de Mère Courage, perd un de ses fils. Caporal, j'ai la mort dans l'âme. Allez donc recruter une compagnie dans ce maudit pays. Le maréchal de camp veut 4 escouades pour le 12 du mois. Mais les gens d'ici sont si malins que je n'endors pas la nuit. Pas moyen de leur mettre la main dessus. À la fin, tu en attrapes un. Tu le toises en moins de 2. Tu fermes les yeux sur son torse de poulet, sur ses varices. Tu le saoules. Il est à point. Il signe son engagement. Alors, Eddie, je vais pisser. Tu flaires une feinte. Tu bondis vers la porte. Ça y est, il est parti. Plus l'escarpe fou sous l'ongle. L'homme n'a plus de parole. L'honneur s'en va. Caporal, j'ai perdu confiance en l'humanité. C'est clair. Voilà trop longtemps qu'on vit sans guerre ici. D'où viendrait la morale, hein? La paix, c'est la pagaille. La guerre, c'est l'ordre. L'humanité pousse et prospératoire à travers en temps de paix. Chacun se goinfre comme bon lui semble. Une tranche de lard sur du pain blanc et du fromage par-dessus le lard. Dans cette ville, là-bas, combien y a-t-il de jeunes garçons solides et de chevaux valides? Personne n'en sait rien. On les a seulement jamais comptés. J'ai vu des endroits qui sont restés sans guerre pendant près de 60 ans. Eh bien, les gens n'avaient pas même de nom. On ne se connaissait pas soi-même. Ce n'est que là où règne la guerre qu'on trouve de bonnes listes et des registres à jour. Des souliers mis en ballot et du blé en sac, bêtes et gens dûment recensés et parqués parce qu'on se dit sans ordre, pas de guerre. Et on a raison. C'est bien vrai, caporal! Comme tout ce qui vaut quelque chose en ce monde, la guerre a des débuts difficiles. Mais une fois lancée, elle est tenace. Bientôt, les gens, on arrive à avoir peur de la paix. Exactement comme les joueurs redoutent le moment de lâcher leurs cartes. C'est qu'alors, il faudra bien qu'ils se mettent à compter leurs pertes. Mais au début, c'est de la guerre qu'on a peur. Et on sort de nos habitudes. Regarde! Une carriole! 2 femmes et 2 gars. Occupe-toi de la vieille, caporal. Et si ce coup de filet ne donne rien, je vais pas continuer à me geler dans ce petit vent d'avril, je te le dis! Mon capitaine, à cette bataille, les fantassins laissent-les souffler. La mère Courage pour la piétaille a des chaussures qui tiennent aux pieds. Couvert de gales rongées de vermine, traînent les canons sans renacler. Si à la mort faut qu'ils cheminent, ils veulent au moins de bons souliers. Le printemps vient de vous chrétien. La neige fond, fond sur les morts. Et tout ce qui se traîne en dehors. Mon capitaine, c'est la famine. Tous tes soldats crèvent de faim. La mère Courage a de la farine. Contre le cafard, elle a du vin. Un boulet dans un ventre
capitaine. C'est très malsain. Quand ils auront rempli leur tripe, fallait cramer. Moi, je m'en fous bien. Le printemps vient. Debout chrétien, la neige fond sur les morts. Et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins. Bonjour, caporal. Salut, braves gens, qui êtes-vous? On est dans le commerce. Votre unité, traînard. Deuxième régiment finnois. Montrez vos papiers. Nos papiers? Mais c'est la mère Courage, vous le voyez bien. Je connais pas. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Courage? On l'appelle Courage parce qu'elle a eu peur de perdre son bien et qu'elle a traversé le feu des canons de Riga. Avec 50 miches de pain dans sa roulotte. Ah, les pains se mettaient à moisir, le temps pressait, j'avais pas le choix. Pas d'histoire, sors tes papiers. Voilà toute ma paperasse, caporal. Ça, c'est un missel de Strasbourg intact pour emballer les cornichons. Ça, c'est une carte de la Moravie. Dieu veuille que j'y passe un jour sans quoi la carte est bonne pour les rats. Et puis ça, c'est un cachet prouvant que mon cheval n'a pas la fièvre afteuse. La pauvre bête est morte, elle avait coûté 15 000 florins. Pas à moi, Dieu merci. Ça suffit comme papier. N'essaie pas de me posséder, je te ferai rentrer ton insolence. Mais restez poli. Ne venez pas dire devant mes enfants que je veux vous posséder. Je vous fais pas de proposition, moi je vous connais pas. Deuxième régiment. Je n'ai qu'une patente, c'est ma figure honnête. Si vous savez pas y lire dessus, tant pis pour vous, j'y ferai pas mettre un timbre. Caporal, je sens que cette personne a l'esprit subversif. À l'armée, on aime l'ordre. Non, la soupe. Ton nom? Anna Firling. Bien. Alors tout ça, c'est des Firling. Pourquoi moi, je m'appelle Firling, pas eux? Je croyais que c'était tes enfants. Parfaitement, et c'est une raison pour qu'ils aient tous le même nom. Lui, par exemple, il s'appelle Aglif Nojoki. Non. C'est que son père a toujours prétendu s'appeler quelque chose comme Kojoki. Mojoki. Ah, il s'en souvient bien, allez. Mais celui dont il se rappelle le plus, c'est un Français à barbiche. À part ça, le petit a l'intelligence de son père. Un gaillard rusé, capable de vous déculoter un paysan sans qu'il s'en aperçoive. Ben pour les autres, c'est pareil, chacun de nous a son nom. Hein? Tous des noms différents? Faites donc pas l'innocent. Alors celui-là, c'est un Chinois. Pas du tout, c'est un Suisse. Qui est venu après le Français? Le Français, le Français, il y a pas de Français. Brouillez pas trop, on sera encore là ce soir. Moi, je dis un Suisse, mais son nom c'est Feyos. Le père s'appelait pas du tout comme ça, il travaillait dans la construction des forts. Un buveur, par exemple. Alors comment se fait-il que le garçon s'appelle Feyos? Écoutez, je voudrais pas vous vexer, mais c'est pas l'imagination qui vous étouffe. Quand mon petit Feyos est venu au monde, j'étais avec un Hongrois. Ça lui faisait rien, pauvre homme, que je sois gros, s'il s'en allait du foie. Dieu sait pourtant qu'il n'avait jamais tâté à l'alcool. Un homme honnête. Eh ben ce garçon, c'est lui tout craché. Mais je n'étais pas son père. N'empêche, c'est lui tout craché. Je l'appelle petit Suisse. Elle s'appelle Catherine Haupt, elle est à moitié allemande. Eh bien, elle a une jolie famille. Ouais, j'ai fait le tour du monde avec ma roulotte. On va noter tout ça. Esaü le bœuf et Jacob le bœuf. Voilà comment on devrait vous appeler. De vraies bêtes de somme. Ça m'étonnerait si on vous dételait un jour de cette carriole. Mais mère, je peux lui envoyer mon poids sur la gueule, je voudrais bien. Et moi, je te le défends, tiens-toi tranquille. Là, maintenant, messieurs les officiers, vous n'auriez pas besoin d'un bon pistolet ou d'une boucle de ceinturon, là, votre tout usé, caporal. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Voici deux beaux gaillards, hein. Droit comme des boulots, large d'épaule, fort du mollet. Je me demande ce qu'ils attendent pour prendre du service. Oh, rien à faire, caporal. Les enfants sont pas faits pour le métier des armes. Et pourquoi pas? Il y a de l'or et de la gloire à y gagner. Trafiquer dans la chaussure, c'est l'affaire des femmes. Sors du rang, toi. Montre-nous un peu si t'es un homme ou une mauviette. C'est une mauviette. Il suffit de le regarder durement, il s'évanouit. En écrasant un veau au passage. Veux-tu le laisser en paix, vous ne l'aurez pas. Il m'a insulté. Il a traité ma bouche de gueule. Viens avec moi dans ce champ et nous viderons la querelle entre hommes. Ouais. Ne t'en fais pas, mère, son compte est bon. Tiens-toi tranquille, vaut rien. Je te connais, tu ne cherches que play, boss. Il a un couteau, il va saigner. Je le lui arracherai comme une dent de lait. Viens, mon petit gars. Caporal, je le dirai au colonel, vous irez en prison tous les deux. Le lieutenant fait la cour à ma fille. Doucement, camarade. Qu'as-tu contre l'armée? Le père de ce garçon était soldat, non? Il est mort en brave, tu l'as dit toi-même. Il est mort, voilà tout. C'est encore un enfant. Je vous connais.
Vous me l'emmenez à l'abattoir et vous toucherez Saint-Florin pour la peine. D'abord, on lui donnera un beau képi et une belle paire de bottes à revers. Eh ben moi, je veux rien recevoir de toi. Viens m'aider à faire un civet, dit le cuisinier au lapin. Allez, va crier partout qu'on veut nous voler ton frère. Essayez un peu de me le prendre. Je vous saignerai, canaille. Je vous apprendrai, moi, à faire la guerre avec mes fils. Nous vendons honnêtement de la toile et des jambons. Nous sommes des gens paisibles. Eh bien oui, ça se voit. Tu n'as pas honte d'aller entre tes griffes, la vieille. La guerre, c'est ton gagne-pain, tu l'as dit toi-même. Eh bien, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de soldats. Ce sera pas les miens. Tu veux garder la viande, la guerre aura les os. Elle vous engraisse, toi et les tiens, et en échange, qu'est-ce que tu lui donnes? Rien du tout. Ça s'appelle courage et ça a peur de la guerre. Je parie que tes fils ne l'ont pas peur. Ah ben non, moi, je n'ai pas peur de la guerre. Mais pourquoi n'aurais-tu peur? Regardez-moi, est-ce que ça ne m'a pas réussi, la vie militaire? J'y suis venu à 17 ans. Mais toi, t'as pas encore 70. Ça viendra. Oui, à 6 pieds sous terre, peut-être. C'est une insulte. Tu veux dire que je vais mourir? Si c'était vrai, si t'étais marqué, si je te disais que tu n'es qu'un cadavre en permission, hein? Elle a la seconde vue, tout le monde le sait, est-il l'avenir? Alors dites-lui l'avenir au caporal, ça lui fera plaisir. Je crois pas. Ton cas, c'est des paix dans l'eau, tout ça. Allez, dis toujours, on va rire un coup. Alif, petit Suisse, Catherine, mes enfants, regardez. C'est ainsi que nous serons tous déchirés si nous nous laissons entraîner trop loin dans la guerre. Sur ce papier, je dessine une croix noire. Noir, c'est la mort. L'autre reste en blanc, tu vois. Puis je plie les morceaux de papier, comme cela. Et je les mélange. Exactement comme nous sommes tous mêlés les uns aux autres, sitôt sortis du ventre maternel. Maintenant, tire un billet, tu sauras ton destin. Je n'enrôle pas n'importe qui. Je ne choisis pas n'importe qui. Mais toi, tu as de la fougue, ça me plaît. C'est des idioties, rien que de l'esbroufe. Il a tiré une croix noire. Il est foutu. Ne t'en laisse pas à croire, toutes les balles ne tuent pas. Tu m'as roulé. Tu t'es roulé toi-même le jour où tu t'es fait soldat. Et maintenant, en route, c'est pas tous les jours la guerre, faut que je murmure. Par tous les diables, je ne te laisserai pas plus longtemps te payer une autre tête. On va l'emmener, ton garçon, il sera soldat. Moi, j'aimerais bien, mais. Veux-tu fermer ça, diable finnois? Oui, un petit Suisse aussi veut devenir soldat. Quoi? Ça, c'est du nouveau. Bien, je vais vous faire tirer au sort, tous les trois. Les gens cherchent à nous nuire en racontant qu'on est confit dans la bigoterie au camp des Suédois. Pure calomnie. Ils chantent des psaumes que le dimanche, une seule strophe. Et encore, uniquement selon la voix. Ils voudraient quitter leur mère, ces démons. Et mordre à la guerre comme le poisson à l'hameçon. Mais je ferai parler ces papiers. Ils verront si le monde est un jardin d'Éden. Viens avec moi, mon gars. Tu seras capitaine. Alif, tire un billet. Ce sera ton destin. Infortuné, hélas, seins gonflé de douleur, il mourra, fauché dans sa fleur, la témérité le perdra, comme elle a perdu son père. Qu'il écoute donc la voix de la raison ou s'en est fait de lui. Est-ce que tu vas être raisonnable? Peut-être. Alors sois sage, reste avec ta mère, et s'il se moque de toi, s'il te traite de mauviette, ris-leur au nez. Tu fais dans ton froc? Ça va, je prendrai ton frère. Je t'ai dit de le rire au nez. À toi, petit Suistir. J'ai moins peur pour toi, tu es honnête. Oh, quel regard étrange tu jettes à ce billet. Il est blanc, n'est-ce pas? Je ne te perdrai pas, toi. Une croix, lui aussi. Mon petit Suisse. Tu es perdu si tu ne restes pas honnête partout et toujours, comme je te l'ai enseigné dès le berceau. Rapporte-moi la monnaie. Chaque fois que tu vas acheter du pain, c'est ta seule chance de salut.
Regarde, caporal, si je mens, est-ce une croix noire? Une croix noire, c'est vrai. Mais comment se fait-il que moi j'en ai tiré une? Je n'y comprends rien, je me tiens toujours à l'arrière des lignes. Il ne triche pas. Ses propres enfants sont frappés. En tout cas, moi je me le tiens pour dit, je suivrai son conseil. Je n'ai plus que toi maintenant. T'as voir, c'est déjà une croix. Toi aussi, la croix noire te menace. C'est ton bon cœur qui te perdra. Heureusement que tu es muette. Si tu peux pas dire des sottises, du fois au moins, pas de sottises non plus. Voilà, maintenant, chacun sait ce qui l'attend. Soyez prudents, vous en avez tous besoin. À présent, en voiture, on continue. Allez, allez, vite! Fais quelque chose! Je ne sens pas bien du tout. Tu as senti du froid, tu aurais pas dû retirer ton casque avec le vent qu'il fait. Retiens-la. Achète-lui quelque chose! Et si elle te montrait cette boucle de ceinturon, caporal? Elle est là pour ça, après tout! Hé! Arrêtez! Le caporal veut acheter une boucle de ceinturon! Une boucle de ceinturon, enfin, on y va! Ça en vaut deux! Elle n'est plus toute neuve! Il fait un vent de ce côté, je voudrais l'examiner à loisir! Où ça, du vent? Ça vaut peut-être un demi-florin, c'est ton argent! Elle fait bien cette once! Et nous allons voir un coup entre hommes, j'ai de l'argent dans les poches! Alors, un demi-florin? C'est à n'y rien comprendre, je me tiens toujours à l'arrière. Un poste de tourpeau, j'expédie les autres au front, ils vont sans moi cueillir des lauriers. Je n'ai plus bois rien, je ne serais pas fichu d'avaler la moindre bouchée. Mais faut pas prendre les choses tant à cœur, y a pas de quoi se détruire l'appétit. Évite les premières lignes, voilà tout. Tiens, bois un coup de gnôle, mon gars. Dit Florin, rubis sur l'ongle. Te voilà devenu un vaillant soldat au service du roi. Toutes les femmes vont te tomber dans les bras comme des pêches pures. Prends à moi, je te permets de me casser la gueule. Qu'est-ce que je t'ai enfoncé? Je viens, Catherine, je viens, le caporal finit de payer. Ah, je me méfie de toutes les pièces d'argent. Chaille sur des crins à l'eau froide, caporal. La pièce est bonne. Allez, en avant! Où est Aylif? Il est parti avec le recruteur. Innocent que tu es. Je sais, tu peux rien dire. À toi de boire un coup, la mère! Être soldat, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Tu voudrais bien profiter de la guerre, mais sans y laisser de plumes, hein? Attends-toi avec ton frère, Catherine. Si tu veux profiter de la guerre, il faut bien lui payer son salaire. Deuxième tableau. Au cours des années 1625-1626, Mère Courage suit le train des armées suédoises à travers la Pologne. Devant la forteresse de Walhof, elle retrouve son fils soldat. Heureuse vente d'un chapon et jour de gloire pour le fils intrépide. $60 pour un si misérable moineau. Un misérable moineau? Une bête qui sue la graisse. Allez, allez, votre capitaine peut bien s'offrir un chapon de $60, c'est le dernier des gloutons. Car à vous, s'il trouve rien sur son assiette à midi. Des chapons comme celui-là, le premier croquant venu m'en cède une douzaine pour $10. Le premier croquant venu, hein? Pour $10. En plein siège, avec la famine qui vous décolle la peau du ventre, vous trouverez peut-être un rat des champs. Je dis peut-être parce que les rats, on les a tous dévorés. Ils en ont levé un l'autre jour, un sale rat tout décharné. Il soumis à 5 pour le courser pendant toute une après-midi. $50 pour un énorme chapon en plein siège. Mais c'est les autres qui sont assiégés, bon Dieu, pas nous. Nous, on est les assiégeants. Fourrez-vous cela dans la tête une fois pour toutes. Et en plus qu'on ne trouve rien à se mettre sous la dent. Moins que ceux qui sont dans la ville. Eux, ils ont tout raflé à 10 lieues à la ronde. Ils sont enfermés dans la ville avec leurs provisions et ils font ripaille. Tandis que nous, j'y étais voir chez les paysans, ils ont pas ça. Alors, ils ont tout, ils le cachent. Ils ont rien, ils sont ruinés. Ils grignotent leurs écuelles. J'en ai vu qui déterraient des racines. L'eau leur coule des babines à la vue d'une courroie. Voilà où on en est. Et moi, j'ai un énorme chapon et vous me le volez. Pour $40. Ah non, 30. Pas 40, j'ai dit 30. Vous savez, c'est pas le premier chapon venu. Hein. C'est un animal extraordinairement doué, à ce qu'on m'a dit. Il ne se nourrissait qu'en musique sur l'air de sa marche préférée. Et il savait compter. Et vous regrettez vos $40. Le capitaine vous coupera les oreilles s'il n'a rien à déjeuner. Regardez bien ce que je vais faire.
J'ai là un beau morceau de bœuf, je vais le mettre à cuire. Je vous laisse 10 secondes pour décider, dernier délai. Alors mettez-le à cuire parce que c'est un morceau de l'an dernier. Bon, il est d'hier soir. Pas plus tard qu'hier soir. Je l'ai vu en personne se promener sur ses quatre pattes. Alors c'est qu'il pourrissait vif. Eh ben je le cuirai 5 heures s'il le faut. On verra bien s'il résiste encore. Ajoutez-y beaucoup de poivre que le capitaine ne sente pas qu'il pue. Hein. Entre, Elif. Entre, mon fils, dans la tente de mon capitaine. Prends place à ma droite. Tu t'es conduit en héros. En pieux soldat. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour Dieu. Au cours de cette guerre sainte, ton exploit s'en trouvera haussé à mes yeux. Je vais te donner un bracelet d'or fin. Attends seulement que la ville soit à moi. On vient sauver leurs armées. Que font-ils si pourris, ces cochons paysans? Ils planquent leur bétail pour gaver leur curé par devant, par derrière. Mais toi, tu leur as appris à vivre. Allez, un cruchon dans le jeu. Faisons cru sec tous les deux. Quant à l'aumônier, il aura une portion de crotte. C'est un dévot. Et toi, que veux-tu pour ton déjeuner, mon cœur? Un plat de viande, pourquoi pas? Cuisinier, de la viande! Rossez les paysans, ça creuse! Il invite la compagnie, moi j'ai rien dans la marmite. Jésus-Marie, c'est moi, Elif. Pourquoi? C'est mon aîné. Il y a 2 ans que je ne l'ai revu. Ils me l'ont volé sur la grande route. Il doit être bien noté pour que le capitaine l'invite à sa table. Et toi, qu'est-ce que tu comptes leur servir? Rien. Tu as entendu, hein? L'invité du capitaine veut de la viande sur son assiette. Un bon conseil, tu prends le chapon, tu cesses de palabrer et tu me payes un florin. À manger, cuistot d'enfer! À manger vite, ou je t'assomme! Ton chapon est gorgeuse! Oh, c'est plus un misérable moineau. Oh, ah oui, oui, c'est un misérable moineau! Voilà. Ça, 50 liards, c'est un piche. J'ai dit un florin. Pour mon aîné, pour l'invité chéri du capitaine, rien n'est trop cher. Au moins plume-le pendant que j'allume le feu. C'est un garçon intelligent que j'ai là. Et audacieux. Il en ouvrira des yeux en me voyant ici. J'ai encore un autre fils sot, mais honnête. Quant à ma fille, elle est muette. C'est déjà quelque chose. Elif, mon fils, goûte encore un peu de ce petit Falerne, c'est mon vin préféré. Je n'en ai plus qu'un tonne Léo 2, mais je ne regrette pas, va. Tu m'as donné la preuve, toi, que la sainte foi n'est pas morte dans mon armée. Ce berger des âmes ne sait que prêcher en nous regardant faire, l'impuissant. Maintenant, mon fils, allez. Raconte-nous comment tu as berné ces paysans et capturé 20 bœufs! Alors voilà. Je savais que les paysans profitaient de la nuit pour amener leurs bœufs en cachette dans un petit bois où ceux de la ville venaient les chercher. Moi, je les laisse entasser leurs bœufs. Mais des bœufs et encore des bœufs! Chut! Je ne ronge pas. Parce que j'avais mis mes hommes à la portion congrue depuis 2 jours. Pour leur donner le goût de la viande. Ils ont salivé jusqu'au menton, rien que d'entendre un mot qui commence par vie. Comme violon ou vierge. Ah, ça, c'était malin de ta part. Peut-être. Après, c'était tout seul. Sauf que ces paysans étaient armés de gourdins, et 3 fois plus nombreux que nous. Ils nous ont livré un assaut de tous les diables. Moi, tout à coup, j'en ai 4 qui me tombent sur le dos, plein milieu des fourrés. Ils me font sauter l'épée des mains. Ils me crient « Rends-toi, rends-toi !» Là, je me dis « Mais que faire ? Ils vont me dépecer, c'est certain !» Mais alors, qu'as-tu fait ? J'ai éclaté de rire. Hein ? Ouais. J'ai éclaté de rire, alors on a causé. Tout de suite, je leur propose un marché, je leur dis 20 florins pour un bœuf, c'est beaucoup trop pour moi, je vous en offre 15, comme si j'avais la notion de payer, quoi. Ils en restent bouche bée, ils se grattent la tête. Alors moi, vite, je me baisse, je ramasse mon épée et je l'extraille en pièces! Nécessité n'a point de loi. À proprement parler, ceci n'est point dans les Écritures.
de pain a réussi le miracle d'en faire 500. En un temps, le ciel venait si facilement en aide aux gens, pouvait exiger d'eux une certaine honnêteté, une certaine obéissance aux prescriptions divines. De nos jours, c'est une autre affaire. Une toute autre affaire. Tiens, moi tout de même un coup, hein. Pharisien. Alors toi, tu les as taillés en pièces, mais voilà qui est bien pour que mes braves aient un beau morceau de viande à se mettre sous la dent. Ne dit-on pas dans les Écritures, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et qu'est-ce que tu leur as fait, toi, à mes petits soldats? Tu leur as offert de la bonne viande de bœuf. C'est qu'ils ne veulent plus de pain moisi depuis qu'ils se battent pour la cause de Dieu. Ouais, je me baisse, je saisis mon épée et je les taille en pièces. Tu as le sang de César, Oliver. Tu devrais aller voir le roi. Je l'ai vu de loin. On dirait un soleil, moi je voudrais lui ressembler. Mais ils ont dit très en commun. Des soldats comme toi, les braves caïfs, je les estime, je les traite comme mes propres enfants. Regarde un peu où nous en sommes, il en faudrait beaucoup d'aussi braves que toi. Ça doit être un bien mauvais capitaine. Non, il est glouton, mais pourquoi un mauvais capitaine? Parce qu'il lui faut de braves soldats. S'il savait faire un bon plan de bataille, il n'aurait pas besoin de braves. Des soldats suffiraient. D'ailleurs, partout où l'on rencontre de grandes vertus, on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui va de travers. Mais moi, je croyais que c'était bon signe, les grandes vertus. Non. C'est signe que quelque chose va de travers. Pourquoi? Imagine que le capitaine est un sot. Il enverra ses hommes dans un cul-de-sac. Ils devront déployer du courage pour ne pas y laisser leur peau. Si le chef est un avare qui lésine sur le nombre de soldats recrutés, il faudra que tous ces gens soient d'une force herculéenne, du premier au dernier. Si c'est un genre foutre qui ne se soucie pas de ses hommes, ils seront forcés de se conduire avec la prudence du serpent. S'ils les accablent de ses exigences, ils ne tiendront qu'à force de fidélité. Tout ça, ce sont des vertus dont on n'a pas besoin. Dans un pays ordonné, avec un roi et des capitaines à la hauteur. Dans un bon pays, des qualités moyennes suffisent. On peut se permettre d'être bête, ou même lâche, si ça vous plaît. Je parie que ton père était soldat, un grand soldat, à ce qu'on m'a dit. Et ma mère me recommandait de ne pas lui ressembler. Et d'ailleurs, je connais une petite chanson là-dessus. Chante-la nous. Elle s'appelle « La chanson de la femme et du soldat ». Ça vient à la pitance. Les balles sifflaient clac, les couteaux trouent la peau, et le fleuve englouti qui le passe, l'eau glacée de menace, sois prudent, n'y va pas, lise la femme. La femme au soldat. Mais le soldat, armé jusqu'aux dents, écoute le tambour et part en riant. Marcher n'a jamais tué personne. Marcher n'a jamais, jamais tué personne. En laissant vers le sud, on remonte vers le nord, le couteau à la main, ouais, le couteau à la main, on saura tromper la mort, dire à la femme les soldats. Jamais tuer personne quand la lune brille.
veillera sur le chaume des maisons. Alors nous reviendrons, ouais, alors nous reviendrons à la belle saison. Dirent à la femme les soldats. Comme fumée, ta chaleur m'a quitté, tes exploits ne me la rendront pas. Fumée dissipée, Dieu vous garde en son ciel, disait la femme au soldat. Soldat poignard au ceinturon, fait se briser la glace et sombre au fond de l'eau, car le fleuve engloutit qu'il passe. Passe comme fumée, ta chaleur t'a quitté, tes exploits ne te la rendront pas. Tes exploits ne te Oh. Alors, on se retrouve. Où sont les autres? Heureux comme des poissons dans l'eau. Petit Suisse est devenu trésorier du 2e régiment. Au moins, il monte pas en ligne, mais il a fallu qu'il s'engage lui aussi. Pas moyen de le retenir. Et comment vont tes pieds? Ouais. J'ai toujours du mal à entrer dans mes chaussures le matin. Ainsi, tu es sa mère. Tu n'aurais pas d'autre fils à me donner aussi bon que celui-là. Ça, c'est de la chance, hein. Tu arrives juste à temps pour entendre toutes les louanges qu'on fait à ton fils. J'ai tout entendu! C'est parce que j'ai volé des bœufs? Non! Parce que tu ne t'es pas rendu! Quand les quatre paysans te sont tombés dessus pour te mettre en pièces, je t'avais dit de prendre garde à toi, oui ou non, espèce de diable finnois! Mère Courage est prisonnière avec les restes du régiment finnois. Elle parvient à sauver sa fille et sa carriole, mais elle perd celui de ses fils qui est honnête. Je vous laisse le sachet de balle pour deux florins, c'est pas cher. J'ai besoin d'argent, mon colonel se saoule depuis deux jours avec ses officiers, il n'y a plus de vin. Mais ce sont des munitions de l'armée, si on trouve ça chez moi, je passe en cour martiale. Il y aura des munitions, canaille. Et le soldat n'a rien dans son fusil quand l'ennemi monte à l'assaut. Ne sortez pas vos griffes, la main droite ignore ce que fait la main gauche. Je prends pas du matériel de l'armée. Pas à ce prix-là. Vous le revendrez discrètement ce soir à l'intendant du 4e régiment. Vous en donnera 5 florins, même 8. Si vous lui signez un reçu de 12 florins, lui, il n'a plus de munitions du tout. Faites le coup vous-même, qu'est-ce qui vous retient? Je me méfie de lui, c'est un ami à moi. Catherine, mets ça de côté et paye-lui un florin et demi. Deux. J'ai dit un florin et demi. Deux. Toi, reprends ton caleçon. On est en octobre et l'automne peut venir, si ça se trouve. Tu attends, hein? J'ai pas dit l'automne doit venir. J'ai appris à ne rien attendre avec certitude, pas même l'avenue des saisons. Ce qu'il y a de certain, par contre, c'est que ta caisse va être en règle, quoi qu'il advienne. Elle est en règle, ta caisse. Oui, mère. N'oublie pas ceci. Si tu es devenu trésorier, tu le dois à ton honnêteté. Ils t'ont choisi parce que tu es un bon garçon, tu n'es pas un casse-cou comme ton frère. Et puis, t'es trop naïf pour songer à lever le pied avec la caisse. Hein. C'est une idée qui ne viendrait pas à toi. Bon. Et ne me perds pas ton caleçon. Non, mère, je vais le serrer sous ma paillasse. Je parle avec toi, trésorier. N'allez pas lui apprendre vos tours d'escroc. Et tu pourrais saluer, intendant. J'aime pas les voir partir ensemble. C'est le genre de fréquentation qui convient pas à mon petit Suisse. Enfin. La guerre à bonne mine. Il y en a bien encore pour 5 ou 6 ans avant que tous les pays ne soient entrés dans la danse. Un peu de prévoyance, beaucoup de prudence, et je ferai de bonnes affaires. Tu
Tu sais bien qu'avec ta maladie, tu dois pas boire avant midi. Et qui dit que je suis malade, ce sont des calomnies. Tout le monde le dit. Mais c'est que tout le monde ment. Ah, j'en peux plus, leur courage. Ils sont tous à m'éviter. Comme un poisson malade à cause de ses mensonges. Et je me demande pourquoi j'arrange encore ce chapeau. Mais c'est pour ça, tenez, que je bois avant midi. Mais jamais ça ne m'arrivait avant. Ça donne des rides. Mais maintenant, je m'en moque bien. Tout le monde me connaît au deuxième finnois. Ah, j'aurais dû rester chez nous quand mon premier m'a plaqué. L'orgueil, c'est pas fait pour des gens comme nous. Nous autres, on doit savoir avaler de la boue et la digérer sans grimace, sans quoi on descend la pente. Arrête, ne commence pas à parler de ton Pierre, à remâcher ton histoire devant ma fille qui est innocente. Ah, raison de plus pour qu'elle entende, ça l'endurcira contre l'amour. On n'endurcit personne contre ça. Alors je le raconterai parce que ça me soulage. Rien ne serait arrivé si je n'étais pas née dans ce beau pays des Flandres. Jamais je ne l'aurais rencontré. Et je ne serais pas ici alors qu'il est en Pologne. Il était cuisinier militaire et c'était un Hollandais. Un Hollandais maigre. Catherine, méfie-toi des maigres. Je m'en méfiais pas alors, et je savais pas non plus qu'il avait déjà une autre fille. Et qu'on le surnommait Pierrot la pipe, parce que il faisait l'amour la pipe au bec en passant. En ce temps-là, j'avais 16 ans à peine. Et quand l'ennemi vint s'installer chez nous, il a rentré son épée de côté, dans sa gaine. Il sut trouver des mots très doux, des mots très doux. Et dans la nuit de mai, la douceur d'aimer, le régiment campe sur la paille. Tambour battait, clairon sonnait, l'ennemi nous prend par la taille. Elle en a fraternisé. Des ennemis. Ah, mais des ennemis, la ville en était pleine. Le mien était cuisinier militaire. Si le jour je ne lui montrais que de la haine, que de la haine. Je l'adorais la nuit tombée. Et dans la nuit de mai, vint la douceur. Oui, la douceur d'aimer. Le régiment campe sur la paille. Tambour, battez. Clairon, sonnez. L'ennemi nous prend dans les broussailles. Il faut bien fraterniser, non? Un tel amour, c'était force du ciel. Les miens ne l'ont jamais compris. Hélas, je l'aimais d'un amour fidèle. On m'accusa d'avoir trahi. Et par un matin blême a commencé ma peine. Le régiment leva le camp.
tambour battant, clairon sonnant. Elle est l'ennemi, le mien aussi. Abandonna mon pays. Et moi, je l'ai couru après, pour mon malheur. Et jamais plus je ne l'ai revu. Il était sali de cela. Tu oublies ton chapeau. Et le prenne qui voudra. Que cela te serve de leçon, Catherine. Ne te mêle jamais, tu m'entends? Jamais de fréquenter les soldats. L'amour est une force du ciel, je te préviens. Même avec des civils, c'est pas tout rose. Ton amant te raconte qu'il va baiser la terre où ton pied s'est posé. À propos, tu les as lavés tes pieds hier. Et puis pour finir, t'es la bonne à tout faire. Remercie le ciel d'être muette. Jamais tu ne te contrediras. Jamais tu n'auras à te repentir d'avoir dit la vérité. Ah, les cuisiniers du capitaine, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir, celui-là? Je vous apporte un message de votre fils, Eilif. Le cuisinier a voulu m'accompagner. Vous l'avez fait une forte impression. Ah, si je l'accompagne, c'est pour prendre un peu l'air, hein. Ben, prenez-le ici, si ça vous plaît, pour vous, que vous teniez comme il faut. Qu'est-ce qu'il veut? Si c'est de l'argent, j'en ai pas. Et à vrai dire, le message était plutôt destiné à son frère, le trésorier. Il n'est pas ici, ni ailleurs non plus. Il n'est pas le trésorier de son frère. Qu'Aïlif ne vienne pas exercer sa ruse aux dépens de la famille. Donnez-lui ça, c'est un péché. Exploiter ainsi l'amour maternel, il devrait avoir honte. Ça ne durera pas longtemps. Allez. Bientôt, il va repartir avec son régiment vers la mort, peut-être. Arrondissez la somme, vous le regretterez plus tard. Vous autres, les femmes, vous êtes dures sur le moment, puis ensuite, vous vous en repentez. Qu'est-ce que ça fait de donner un petit verre d'eau de vie à qui le demande? Mais non, ne le donne pas. Et bientôt, le pauvre gars s'en va dormir sous l'herbe verte et aller donc le déterrer. Vous attendrissez pas, cuisinier. Mourir pour une guerre comme celle-ci, c'est une grâce et non pas un malheur. Pourquoi? C'est que cette guerre ne ressemble pas du tout aux autres guerres. On y combat pour la foi. Mais c'est une guerre sainte, agréable à Dieu. Et très juste. Oui, d'un côté, cette guerre, elle ressemble aux autres. On incendie, on massacre, on pille, on viole aussi de temps en temps. Mais d'un autre côté, elle diffère de toutes les autres guerres, parce que c'est une guerre sainte. Bah, qui est clair. Tout de même, elle donne soif aussi, à vous. J'ai voulu l'empêcher de venir, mais il a dit que vous l'aviez ensorcelé, il rêve de vous la nuit. Un verre d'eau de vie servi par une belle main. C'est tout ce que je désirais. Et je l'ai déjà payé assez cher. Tout le long du chemin, l'aumônier a fait des plaisanteries telles que j'en suis encore rouge de honte. Son habit ne lui pèse guère à celui-là. Bon, il va falloir que je vous donne un verre, sans quoi vous me feriez des propositions malhonnêtes. Rien que pour tuer le temps. Voici venir la tentation, dit un jour l'aumônier de cour. Et il y succomba. Quelle est cette séduisante personne? C'est pas une séduisante personne, c'est une personne honnête. Ici, en Pologne, les Polonais n'auraient pas dû s'en mêler. Évidemment, notre roi est entré chez eux avec ses soldats, ses chevaux et tout son train, c'est un fait. Mais eux, au lieu de chercher à sauvegarder la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent dans les affaires de leur pays. Ils attaquent leur roi au moment où ils cheminent paisiblement chez eux. Ce sont donc eux les responsables de la guerre et tout le sang versé retombe sur leur tête. Oui, notre roi n'a jamais visé que la liberté des peuples. L'empereur tenait tout dans sa botte, les Polonais et les Allemands. Il fallait bien que le roi les libère. Ça, c'est mon opinion, hein. Oh. Ah, votre vie est excellente. Je m'en doutais, à voir votre belle mine. Mais, puisqu'on parle du roi, cette liberté-là qu'il voulait introduire en Allemagne, elle lui a coûté très cher. Parce qu'il lui a fallu lever un impôt sur le sel en Suède et ils l'ont senti passer, les pauvres Suédois.
Et puis il a été contraint d'emprisonner et d'écarteler tous les Allemands qui prétendaient rester les esclaves de l'empereur. Avec ceux qui refusaient d'être libres, le roi ne badinait pas toujours. Hein. Au début, c'était uniquement la Pologne qu'il cherchait à protéger des méchants gens en général et de l'empereur en particulier. Mais l'appétit lui est venu en mangeant et il a fini par prendre toute l'Allemagne sous sa protection. Ah, ce pauvre bon roi, il a semé partout son or, sa bonté. Et en fin de compte, il n'a récolté que des ennuis. Toutes ces dépenses l'ont obligé à lever de nouveaux impôts et à chaque fois, le peuple en avait les sangs retournés. Il avait pour lui la volonté de Dieu. Oh, c'est tout ce qu'il avait pour lui. Ah. Bon ben, c'était déjà ça. Hein. Sinon, on aurait pu aller raconter qu'il ne cherchait que son profit personnel. Tandis que comme ça, il a toujours eu bonne conscience et à son avis, c'était l'essentiel. On voit bien que vous n'êtes pas suédois. Vous parleriez autrement du roi héros. Mais après tout, c'est son pain que vous mangez. Alors, son pain, je ne le mange pas. Je le fais cuire. Mais si le roi de Suède est invincible, c'est que ses hommes croient en lui. Rien à les entendre. Les grosses nuques ne font la guerre que par crainte de Dieu. Ils ne se battent que pour des causes belles et bonnes. En réalité, ils ne sont pas plus fous que vous et moi. Ils font la guerre pour ricaner. Bah, s'il en était autrement, si la guerre ne rapportait rien, les petites gens comme moi la feraient pas non plus. Mais c'est évident. Vous êtes hollandais. Vous pourriez bien de regarder ce drapeau qui flotte à ce mât avant d'exposer vos opinions en Pologne. Ici, il n'y a que de bons protestants. À votre santé. Les papistes, ils attaquent! Sauf qu'il peut! Du ciel, il faut que je rattrape le capitaine. Courage, je reviendrai sous peu faire un brin de causette. Hé, attendez, vous oubliez votre pipe! Ne la perdez pas, j'en aurai besoin. Voilà, alors je me sauve moi aussi. Évidemment, avec l'ennemi sur les talons, c'est plutôt dangereux, bien heureux. Les pacifiques, c'est ce qu'on dit en temps de guerre. Si seulement j'avais un manteau à passer. Non, je ne prête pas à mes manteaux, même pour sauver la peau à quelqu'un, j'y ai déjà été prise. Mais songez que ma foi protestante m'expose tout particulièrement. J'agis contre ma conscience, allez, pressez-vous. Grand merci. C'est un geste généreux. Le bon Dieu vous le rendra. Peut-être que je ferais mieux de ne pas tourner d'ici, je pourrais éveiller les soupçons, attirer l'ennemi sur moi en courant trop vite. Et laisse ce canon tranquille, imbécile, est-ce qu'on te le payera? Je te prends en charge ton canon, allez, sauve ta peau. Non mais vous êtes témoin, j'ai fait ce que j'ai pu. J'en jurerai sur ma vie. Qu'est-ce que tu ferais avec ce chapeau de putain? Enlève-moi ce couvercle le plus vite que ça, t'es folle? Tu veux qu'il te trouve attifé comme une fille et qu'il te prenne de vertu? Et ce soulier, elle a mis les pantilles rouges. Babylonienne! Enlève-moi ce soulier immédiatement! Allez! Ah! Aumônier, pour l'amour du ciel, aidez-moi! Enlevez-lui ses chaussures, vite! Je reviens tout de suite! Oh mon Dieu, quelle nouvelle! Les catholiques sont là! Où est mon chapeau? Je ne vais tout de même pas me promener en quenille quand les catholiques nous arrivent. De quoi j'aurai l'air? Je n'ai pas de miroir, je suis comme nappe, pas trop de poudre. Vous êtes très bien! Et mes bottines? Là où sont mes bottines rouges? Je les avais pourtant laissées ici. Alors bon, il va falloir que j'aille pieds nus jusqu'à ma tente, c'est un scandale! J'ai trouvé de la cendre, tiens! Qu'est-ce que tu traînes là? La caisse du régiment! Jette-moi ça, il n'y a plus rien à encaisser! Vous l'a confié! Enlève ta robe, aumônier! On doit reconnaître ton manteau! Ah, mais ne bouge pas! Quel malheur, les sentinelles étaient ivres! Un peu de crasse, et te voilà sauve. On dit qu'il faut mettre la lampe sous le boisseau. Il suffit qu'un soldat, surtout un soldat papiste, rencontre un minois un peu gentil, ça y est, il y a une putain de plus sous le soleil. Et on leur serre la ceinture pendant des semaines à ces gens-là. Alors quand on les lâche tout d'un coup, ils se jettent sur les filles. Allez, allez, montre-toi. Attends, là, ça peut aller. Ouais, t'as l'air de sortir d'un tas d'ordures. Mais ne tremble pas, il peut rien t'arriver! Qu'est-ce que t'as fait de ta caisse? Je voulais la cacher dans la carriole! Hein? Dans ma carriole? Une imbécilité de cette taille, ça mériterait les flammes éternelles! Il suffit qu'on ait le dos tourné, et puis voilà! Mais tu comprends donc pas qu'ils nous pendraient tous les trois? Bah alors j'irai la mettre ailleurs! Bah, ou bien je m'enfuis avec! Tu restes ici, c'est trop tard pour fuir! Pour l'amour du ciel, le drapeau! Oh mon Dieu, je le voyais même plus celui-là, ça fait 25 ans que j'ai le même! Le matin, trois jours plus tard,
canon n'est plus là. La mère Courage, Catherine, l'aumônier et Petit Suisse sont assis en train de manger. Ils ont l'air anxieux. Trois jours que je reste ici à paresser. Le sergent-chef, il est toujours si indulgent pour moi. Il doit commencer à se poser des questions. Et à se dire où est-il donc passé, le Petit Suisse, avec la caisse? Tu devrais déjà être content que personne ne t'ait reconnu. De quoi se plaint-il? Moi, serviteur de Dieu, j'ose à peine célébrer le moindre culte ici. J'y risquerai ma vie. Quand le cœur est plein, la bouche déborde. Ça y est, j'en ai deux sur le dos. L'un avec sa foi, l'autre avec sa caisse. On se demande lequel est le plus dangereux. Que voulez-vous? Nous sommes dans la main de Dieu. Oh, vous exagérez. Tout n'est pas perdu à ce point. Quand même, j'en dors pas la nuit. C'est surtout à cause de toi, Petit Suisse. Parce que pour moi, j'ai l'impression que je me suis pas trop mal tiré d'affaire. Je leur ai raconté que je détestais l'antéchrist suédois. Que je l'avais vu de mes propres yeux, oui. Avec ses cornes, même que la gauche était un peu émoussée au bout. Au beau milieu de l'interrogatoire, je leur ai demandé où je pouvais leur acheter des cierges pas trop chers. Mmh. Heureusement, je m'y connaissais un peu. Le père de Petit Suisse était un catholique, il faisait toujours des plaisanteries sur sa religion. Bon, ils ne m'ont cru qu'à moitié, mais comme il manque de cantine au régiment, ils ont fermé les yeux. Peut-être qu'on s'en sortira. On est prisonniers. Et comme des rats dans un fromage. Mais ce lait n'est pas mauvais. La quantité laisse un peu à désirer, mais il va bien falloir que nous modérions nos appétits suédois. Nous sommes vaincus, que voulez-vous? Qui est vaincu? Les victoires et les défaites des gros et celles des pauvres gens ne correspondent pas toujours, loin de là. On a même vu des défaites tourner au profit des petites gens. Rien n'est perdu. Fort l'honneur. Je me souviens qu'une fois en Livonie, notre capitaine a essuyé une telle défaite que dans la confusion générale, j'ai hérité d'un beau cheval. Il m'a tiré ma carriole pendant 7 mois, jusqu'au jour où le capitaine a emporté une victoire, alors ils ont fait un inventaire. En somme, victoire ou défaite, ça nous coûte toujours aussi cher à nous autres. Le mieux, c'est quand la politique, elle est au point mort. Mange! Je n'ai goût à rien. Et le sergent-chef, comment va-t-il faire pour payer la solde? Mais quand l'armée est en fuite, on ne paye pas la solde. Que si, les soldats y ont droit. S'ils ne touchent pas à leur solde, ils peuvent refuser de marcher, ils peuvent refuser de fuir. Petit Suisse, ta conscience me fait peur. Tu sais bien que si je t'ai appris à être honnête, c'est parce que t'étais pas très malin. Mais enfin, il y a une limite à tout! Bon, je vais aller acheter un drapeau catholique et de la viande. Je prends l'aumônier avec moi. Il n'a pas de comme lui pour choisir la viande. Il achète avec l'assurance d'un somnambule. Je crois qu'il dépiste les bons morceaux à l'eau qui lui monte involontairement à la bouche. Ah, il baisse mon commerce, tout va bien. Après tout, ce qu'on demande à un commerçant, c'est pas sa religion, c'est son prix. Et les culottes protestantes tiennent aussi chaud que les autres. Et des mendiants, il en faudra toujours. C'est ce que disait un moine mendiant quand on apprit que les catholiques allaient tout mettre sans dessus dessous. Disparaître. C'est encore plus dangereux. Ils ont des espions partout. Pas plus tard qu'hier, il y en a un qui a surgi du fossé où je faisais mes besoins là-bas. Ça m'a fait sursauter. À peine si j'ai eu le temps de réprimer la prière qui me venait aux lèvres. Elle aurait trahi ma foi. Ça aurait été capable d'aller flairer ta crotte pour savoir si tu es protestant. L'espion. Une espèce de petit crevé là, avec un bandeau sur l'œil. Regarde ce que j'ai trouvé là. Pour Gandine. Les bottines d'Yvette. Elle les a volées froidement. Tout ça parce que vous lui avez mis dans la tête qu'elle était une séduisante personne. Mais je les rendrai. Voler ses bottines à Yvette. Elle au moins, si elle se damne, c'est pour de l'argent, ça se comprend. Mais toi, c'est pour moins que rien, pour l'amusement. Je t'ai dit d'attendre la paix. Et choisis pas un militaire surtout. Attends la paix pour faire la coquette. Je la trouve pas coquette. Elle l'est encore trop! Je l'avais semblable à un caillou de la campagne polonaise où il y a que ça. Je veux qu'on la distingue même pas du paysage. Tant qu'elle sera comme ça, il lui arrivera rien. Et toi, laisse ta caisse où elle est, tu m'entends? Et surveille ta sœur, elle en a besoin. Vous me sucez le sang, tous les deux. Autant vous regarder un poisson de puce.
je ne veux rien boire, je réfléchis. Elle dit qu'elle n'endort plus la nuit. Je vais faire disparaître la caisse. Je sais une cachette. Je vais la cacher dans ce trou de blaireau au bord de la rivière. Cette nuit ou demain au petit jour, je viendrai la reprendre pour la rapporter au régime. Tiens, va quand même me chercher un verre, Catherine. Des yeux de savon, chef. Bravo, petit Suisse. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je te confie la caisse. Et voilà que tu me la rapportes. Que Dieu vous bénisse. Quel enfant. Vous n'auriez pas vu par hasard un homme du 2e régiment finnois? Tu renverses l'autre vie. Qu'est-ce que tu as grimacé? Tu t'es donné un coup sur l'œil. Je te comprends pas. Oui, j'y vais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, c'est certainement une bonne idée, ma pauvre fille, mais tu ne sais pas comment le dire. Tu as renversé l'eau de vie? Peu importe, c'est pas le dernier verre que je bois. Un verre de plus ou de moins, ça ne compte pas. J'y vais. À présent, lâche-moi ou je me fâche. Mais oui, tu as raison, c'est seulement une préparée. Là. Là. Mais qu'as-tu? Où est petit Suisse? Catherine, raconte dans l'ordre. Ta mère te comprend, Catherine. Il a fini par partir avec sa caisse? Ben, je lui lave la tête, un voyou. Prends ton temps. Et arrête de japper comme un chien. Qu'est-ce que l'aumônier va penser de toi? C'est toi que tes mains. Un borgne a passé par là. Un borgne? C'est l'espion. Ils ont pris petit Suisse. Nous sommes perdus, tout est perdu! Ils sont le drapeau neuf! Ici, il n'y a que de bons catholiques, à présent! Chez moi, je n'ai rien fait! Vous m'arrachez les peaux, je suis innocent! Et ici, vous êtes tous de mèche! Je vous connais! Nous? De qui quand? Je ne les connais pas, ces gens-là, Dieu sait qui ils sont! Je n'ai rien à voir avec eux! J'ai déjeuné ici, voilà tout. Ça m'a coûté 10 liards. Et même, la soupe était trop salée. Qui êtes-vous? On est des honnêtes gens, c'est la vérité. Il a mangé ici, il a dit en payant que c'était trop salé. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas ce garçon. Oh, mais doucement, je connais pas tout le monde. J'ai pas l'habitude de demander leur nom à tous mes clients, ni leur confession. D'ailleurs, s'il a payé, c'est qu'il est pas un hérétique, un hérétique, pas? Absolument pas. Ah! Restez assis là, bien tranquille, sans ouvrir la bouche, juste pour manger. Toi! Tu es qui? Lui, c'est... C'est un aide à moi qui sert les clients. Vous devez avoir soif, je vais vous servir un... Pas d'ondi pendant le service. Tu as emporté quelque chose. Tu as le cachet près de la rivière, ça faisait une grosse bosse sous ta veste quand t'es parti d'ici. Vous êtes sûr que c'était bien lui? J'ai l'impression que vous me prenez pour un autre. Parce que moi aussi j'ai vu un gars qui courait. Il avait une grosse bosse sous sa veste. C'était pas moi. C'est ce qu'on appelle un malentendu, ça peut arriver. Moi, je connais les hommes, allez, on m'appelle l'Amir Courage. Vous avez sûrement entendu parler de moi, tout le monde me connaît. Eh bien, je vous dis moi que cet homme a l'air honnête. On cherche la caisse du 2e finnois. Et on a le signalement de celui qui la cache. Ça fait 2 jours qu'on y court après. C'est toi? C'est pas moi. Et si tu donnes pas la caisse, t'es fichu, t'entends? Il va la donner s'il l'a, puisque vous dites qu'il est fichu, s'il ne la vend pas. Il n'a qu'à dire je l'ai. La voilà, vous êtes les plus forts, on n'est pas bêtes à ce point. Parlons donc, tu vois bien que le sergent-chef te tend la pêche. Parce que je vous dis que je ne l'ai pas. Alors viens, on va te faire causer. Il vous dirait tout si ça fait quelque chose, il n'est pas bête à ce point. Allez-y doucement, vous lui arrachez l'épaule! Là! L'histoire de la religion offre maint exemple d'innocents
perdant ainsi la vie. Je vous rappelle la passion de notre Seigneur et Sauveur. Je connais une vieille chanson là-dessus. Au matin du vendredi, Jésus fut en hâte, emmené comme un bandit devant le païen Pilate. Il déclare innocent, pur de toute faute, et le livre incessamment aux mains du grand roi Hérode. 3 heures fut flagellé en pleine poitrine, et son front fut couronné d'un dur collier d'épines. 6 heures on l'a cloué tout nu sur les planches, et son sang pur a coulé, plaigné ses grandes souffrances. À 9 heures, Jésus cria: Dieu, tu me délaisses! Où nous allons prendre l'argent. Est-ce qu'Yvette a passé par ici? En chemin, je l'ai rencontrée. Elle a déjà fait la conquête d'un colonel. Peut-être consentira-t-il à lui acheter la carriole d'une cantinière. C'est sérieusement que vous voulez vendre? Et où pensez-vous qu'on trouvera l'argent pour attendrir le sergent? Et de quoi vivrons-nous après? Ah, cher Courage! Quel bonheur de vous voir déjà! Il est d'accord. C'est un excellent ami à moi. Il me conseille en affaires. Alors, il paraît que vous avez l'intention de vendre la roulotte pour des raisons personnelles, m'a-t-on dit. L'affaire m'intéresse. Doucement, je ne la vends pas, je l'hypothèque seulement. Vous êtes bien pressé. Une roulotte comme ça, je ne trouverai pas facilement en racheter une autre par les temps qui courent. Hein, quoi? Vous, ce n'est qu'une hypothèque, je croyais que vous vouliez vendre. Alors, je ne sais pas si l'affaire m'intéresse toujours. Qu'en dis-tu? Tout à fait de ton avis, cher. Une hypothèque, un point, c'est tout. Je croyais que vous aviez besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent. Mais j'aime mieux muser les pieds jusqu'au genou à chercher une hypothèque que de vendre tout de suite. Cette roulotte nous fait vivre, tu comprends? Et c'est une occasion, Yvette. Et tu n'auras peut-être pas toujours avec toi un excellent ami pour te donner des conseils en affaires. Oui, bien sûr, mon ami pense que je devrais conclure l'affaire. Mais je sais pas, moi, si c'est qu'une hypothèque, tu trouves pas aussi qu'il vaudrait mieux acheter? Oui, c'est mon avis. Alors, je cherche quelque chose qui soit à vendre. Si tu as du temps à perdre, tu finiras peut-être par trouver. Vous avez une chance, toi et ton ami, en admettant qu'il veuille bien te suivre, mettons une semaine ou deux, de tomber sur quelque chose qui te convienne. C'est bon, nous chercherons ailleurs. J'adore me promener, choisir ce qu'il me plaît. Surtout avec toi, mon popol, c'est un vrai plaisir, n'est-ce pas? Et tant mieux si la promenade dure une semaine ou deux. Ah, mais quand pourriez-vous rembourser si on vous faisait une avance? Oh, dans 15 jours, peut-être 8. Je ne sais pas quoi faire. Oh, mon chéri, conseille-moi, elle est forcée de vendre, je suis tranquille. Pour l'argent, je m'arrangerai. Tu sais, le porte-drapeau, le blond, il sera trop content de m'avancer la somme. Il est fou de moi, il m'a dit que je lui rappelais quelqu'un. Qu'est-ce que tu me conseilles, chérie? Méfie-toi de ce garçon, c'est un triste cire, il pourrait en profiter. Tu sais que c'est moi qui voulais t'offrir un cadeau, mon petit lapin. J'ose pas te demander cela. Évidemment, si tu as peur que le porte-drapeau en profite, mon popol, j'accepte ton cadeau. J'en étais sûr. Tu me conseilles de le faire. Je te le conseille. Mon ami me conseille de conclure l'affaire. Signez-moi un reçu. Et n'oubliez pas de noter que la carriole et tout son contenu seront à moi si vous n'avez pas remboursé l'argent d'ici 15 jours. Je vais faire l'inventaire tout de suite.
Je vous apporterai les 200 florins tout à l'heure. Va devant. Rentre au camp, je te suis. Je vais faire une liste de tout ce qui se trouve dans ma roulotte. On ne me vole rien. Ah bah dis donc, vous n'êtes qu'un riche en bottes. Arrête, c'est pas le moment de faire l'inventaire. La roulotte n'est pas encore à toi. Tu m'as promis d'aller dire un mot au sergent en faveur de Petit Suisse. Il n'y a pas une minute à perdre. On m'a dit qu'il allait passer en cour martial immédiatement. Mais attendez, je compte encore les choses. Hé, gorgeuse, tu veux sa mort? Écoute, sois prudente. Pas un mot de ceux qui veulent le sauver. Ne dis pas de qui vient l'argent. Fais tout en ton nom, pour l'amour du ciel. Raconte-leur ce que tu voudras. Dis-leur que Petit Suisse est ton amoureux. Mais sinon, ils nous pendront tous pour l'avoir aidé. J'ai donné rendez-vous au banc dans Petit Bois. Il doit y être à l'heure qu'il est. Il ne va pas lui offrir les 200 florins d'un seul coup, ne dépasse pas 150, c'est bien assez. Écoutez, c'est pas votre argent, alors mêlez-vous de vos affaires. On vous les donnera, allez, votre soupe aux choux et votre pain quotidien. Allez, pars, et pas de chantage, il va de sa peau. Je m'occupe de mes affaires, courage, de quoi vivrons-nous après? Vous avez une fille à votre charge qui ne peut gagner sa vie. Qu'est-ce que vous faites de la caisse du régiment, gros malin? Le régiment ne peut pas refuser de payer ses dépenses à Petit Suisse. Peut-on se fier à cette fille? Ah, c'est pas pour rien, allez, qu'elle lâche les 200 florins. Elle veut ma roulotte, elle est mordue. Et qui sait combien de temps son colonel tiendra encore aux manches. Allez, Catherine, prends des couteaux et nettoie les du cilice. Quant à vous, restez pas plantés là comme Jésus sur le mont des Oliviers. Essuyez-moi ces mers. Il va peut-être venir une cinquantaine de soldats dans la soirée, alors vous recommencerez à dire, je n'ai pas l'habitude de courir comme ça. Le trot va tant pour le culte, etc. Je suis sûr qu'on nous le rendra. On peut les acheter, Dieu merci. Ce ne sont pas des loups, ce sont des hommes, ils aiment l'or. La vénalité des hommes, c'est comme la charité du bon Dieu. C'est notre seule sauvegarde. Tant qu'elle existera, il y aura des jugements cléments. Et les innocents eux-mêmes auront des chances de s'en tirer au tribunal. Ils sont d'accord pour 200 florins. Mais il faut faire vite. Petit Suisse n'est plus pour longtemps entre leurs mains. Le mieux, ce serait d'emmener le banc chez mon colonel. Petit Suisse a avoué qu'il avait la caisse, il lui a mis les brodequins. Mais il prétend qu'il l'a jetée dans la rivière quand il s'est vu poursuivi. La caisse est perdue. Alors, je vais chercher l'argent chez mon colonel. La caisse est perdue? Comment je vais récupérer mes 200 florins maintenant? Hein? Quoi? Vous vouliez puiser l'argent dans la caisse! Ah! Et moi, j'aurais été bien attrapé! Vous faites pas d'illusions, hein? Il faudra payer si vous voulez sauver Petit Suisse! Ou bien vous préférez que je laisse tout tomber pour que vous puissiez garder la roulotte? Je m'attendais pas à ce coup-là. Fais pas de chantage, Yvette, tu l'auras, va ta roulotte. D'ailleurs, elle tombe en ruine, ça fait 17 ans que je la promène. Mais laisse-moi le temps de réfléchir! Tout ça vient si brusquement. Que faire? Je peux pas lâcher les 200 florins. T'aurais dû marchander tout de même! Si j'ai plus rien, je peux plus me défendre. Je me fais marcher dessus par tout le monde. Va, dis-leur que c'est d'accord pour 120 florins. Pas un sou de plus avec ça, je perds déjà ma roulotte. Ils marcheront pas, le borgne est pressé, il a les nerfs en boule. Tu crois pas qu'il voudrait nous donner les 200 florins? Je ne peux pas! J'ai travaillé 30 ans! Cette fille-là en a 25, elle n'a pas de mari! C'est une enfant à moi, elle aussi! Ah, n'insiste pas, je sais ce que je fais. Va, dis-leur 120 ou rien. Hey, ça vous regarde! Cassez pas ces verres, ils sont pas à nous! Et puis toi, regarde ce que tu fais, tu vas te couper! Il reviendra ton frère! J'irai jusqu'à 200 florins s'il faut! Tu le reverras si vite! Avec 80 florins, j'aurais pu remplir une bonne hotte de marchandises et repartir à zéro. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il est écrit, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Oh, essuyez-moi ces verres et que ça brille. Il ne marche pas, je vous l'avais bien dit. Le borgne voulait tout laisser tomber. Il a dit que c'était trop tard maintenant, qu'on allait entendre d'une minute à l'autre les tambours du peloton d'exécution. J'ai offert 150 florins. Son œil est resté fixe. Bah, dis-leur que je suis d'accord pour 200 cours vite. Je crois que j'ai marchandé trop longtemps. Regardez la roulotte. Lui, il a 11 balles dans la peau. Ah, vous méritez pas que je vous aide encore, mais je les ai entendus. Ils sont convaincus que la caisse est ici. Ils disent que vous étiez tous de mèche avec Petit Suisse. Ils vont vous l'amener.
Alors tâchez de ne pas vous trahir en le voyant, sinon vous y passerez tous. Ils me suivent de près, vous voilà avertis. Vous voulez que j'emmène Catherine? Elle sait. Peut-être qu'elle n'a pas entendu les tambours, ou peut-être qu'elle n'a pas compris. Elle va la chercher. Je ne connais pas son nom, celui-là. Il faudra pouvoir l'inscrire pour que tout soit en ordre. Il a passé chez toi, il a pris un repas. Regarde un peu si tu le connais. Tu connais? Non? Tu l'as jamais vu avant qu'il vienne manger ici? Enlevez! Et foutez-moi ça à la face commune! Personne ne le connaît! Quatrième tableau. La mère Courage chante la chanson de la grande capitulation. Je vous connais. C'est vous qui avez caché le trésorier protestant. Vous feriez mieux de ne pas porter plainte. Et moi, je porterai plainte, vous avez beau dire. Si je me laisse faire, on dira que j'ai quelque chose à me reprocher. Ils m'ont mis ma carriole en pièces à coups de sabre. Ils m'ont pris 5 liards d'amende pour 3 fois rien. Un bon conseil. Bouclez-la. Le régiment manque de cantinières et on vous laissera votre commerce. Et puis, si vous avez quelque chose à vous reprocher, tant mieux. Vous payerez de temps en temps une amende. Tout le monde y trouve son compte. Et moi, je porterai plainte. Comme vous voudrez. Dans ce cas, attendez que le commandant puisse vous recevoir. Par le Christ! Où est la pourriture d'enfer qui nous sert de commandant? Le chien empoche ma prime pour aller se saouler avec ses officiers! J'aurai sa peau! Ah, tu te tairis, bon, de mettre en tôle! Sors de ton trou, écorcheur public! Je vais te saigner comme un porc! Me voler ma prime, le bandit! Pas un qui a voulu se jeter dans le fleuve, sauf moi! Et moi, je n'ai pas de quoi me payer un pot de pierre! Ça ne se passera pas comme ça! Sors de ton trou, je te dis, viens que je te mette aux pièces! Jésus-Marie-Joseph, il est perdu! Il a pas eu sa prime! Lâche-moi, attends, je vais t'attriper avec lui! Je nettoierai 2 ordures du même coup! Il a repêché la monture du commandant, on lui a pas payé sa prime! Il est encore jeune, il y a pas assez longtemps qu'il est à l'armée! Lâche-le, c'est pas un chien qu'il faille tenir à la laisse! Il a raison de réclamer sa prime, c'est pour l'avoir qu'il s'est distingué! Il est là, t'attends à se saouler dans sa tente! Et vous! Mais vous! Vous êtes tous des trembleurs! J'ai fait quelque chose de pas ordinaire! Je veux ma récompense! Ne m'engueulez pas, jeune homme. J'ai mes soucis, vous avez les vôtres. D'ailleurs, vous devriez ménager votre voix. Si vous irez de ce train, vous serez à fond que le commandant viendra. Vous resterez là, muet comme une carpe, il n'aura pas le plaisir de vous envoyer moisir en prison. D'ailleurs, ceux qui crient font pas long feu. Hein. Au bout d'une demi-heure, ils sont tellement fatigués qu'il faut les employer sur le palace. Mais je suis pas fatigué! Je veux pas de palace, j'ai faim! Le pain qu'il nous donne, c'était du son et des glos mal cuits! Et il rabiote encore là-dessus! Avec l'argent qu'il me doit, le commandant, il va au bordel! Pendant ce temps, je peux crever de faim! J'aurai sa peau! Ça m'étonne pas si vous avez faim. Au printemps dernier, votre commandant vous a donné l'ordre de quitter la grande route et de passer à travers champs pour piétiner le blé. À l'époque, j'aurais pu mettre la paire de bottes à 10 florins. Si quelqu'un avait eu 10 florins, il m'aurait des bottes avant. Le commandant croyait qu'il serait parti à la prochaine moisson. En attendant, il est toujours là et la famine est grande. Je vous comprends, il y a de quoi se mettre en colère. Oh, taisez-vous, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas tolérer l'injustice. Vous avez bien raison. Mais est-ce que ça va durer? Combien de temps refuserez-vous de tolérer l'injustice? 1 heure? 2? Vous voyez, vous n'en savez rien. Pourtant, tout est là. Oui. C'est un sale quart d'heure à passer dans un cachot noir. Celui où on s'aperçoit tout à coup que l'injustice ne vous révolte plus. Je sais pas pourquoi je vous écoute. Par le Christ ou le commandant! Vous m'écoutez parce que tout ce que je vous dis, vous le savez fort bien. Vous savez que votre colère n'est pas assez grande. Qu'il vous en aurait fallu une durable. Mais où l'auriez-vous prise? Et vous voulez dire que j'ai pas mérité ma prime? Au contraire! Je dis seulement que votre colère n'est pas assez grande, qu'elle n'est bonne à rien. Dommage. Si votre colère était durable, je verserais de l'huile sur le feu. Je dirais, allez-y, abattez-le, c'est une crapule. Et quoi, vous risqueriez de ne pas l'abattre? Vos griffes rentrent déjà et moi je me retrouverais seul devant cette tente et c'est à moi que le commandant s'en prendrait. Vous avez raison, c'est juste un peu de moutarde qui lui monte au nez. C'est bon! Vous allez voir si je le taille en pièces, le commandant! Qu'il sorte et je le taille en pièces! Le commandant va venir assis! Regardez-le, il est assis déjà. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes assis. Ils nous connaissent, allez.
Ils savent nous manœuvrer. Ah si ! Et nous voilà sur nos deux fesses. Une révolte assise et matée. Non, ne vous relevez pas. Vous ne retrouverez pas la fière allure de tout à l'heure. Le cœur n'y est plus, c'est fini. Je vous fais honte, il n'y a pas de quoi. Je ne vaux pas mieux que vous. Nos forces vives, ils nous les ont achetées. C'est comme ça. Si je proteste, ça risque de nuire à mon commerce. Je vais vous raconter un bout de la grande capitulation. Moi aussi, j'ai dit, dans la fleur de ma jeunesse, je ne suis pas pareil à toutes les autres. Pas une simple fille de ferme, j'ai de l'allure et du talent, j'ai de l'ambition. J'aimais faire mon tri, j'avais ma délicatesse. Je prétendais marcher la tête haute. Tout ou rien, le premier venu jamais. Comme on fait son lit, on se couche. Personne ne me fera la loi. Le pinson dans la coursifle cause toujours avant que l'année soit écoulée. Tu marcheras avec la clique du jour à ton petit clairon. Mets-toi dans le ton, une, deux, tout le monde dans le rang. L'homme propose, Dieu dispose. Tout ça c'est du flan. Avant qu'une année, une année soit écoulée, j'ai appris à boire dans tous les verres, dans tous les verres. Deux enfants sur les bras, au prix qu'elle peint, et tous les frais qu'on a. Quand ils m'ont laissé, après m'avoir éduqué, je marchais plus, je rampais sur la terre. Faut prendre les gens comme ils sont. La main gauche ignore ce que fait la main droite. On passe pas par le trou d'une aiguille. Le pinson dans la coursifle cause toujours avant que l'année soit écoulée. Elle a marché avec la clique, jouée de son petit clairon. Elle se met dans le ton, une, deux, tout le monde dans le rang. L'homme propose, Dieu dispose. Tout ça c'est du flan. Si vraiment tu lui en veux à mort, si ta colère est vraiment grande, reste ici, sabre au clair, car ta cause est juste, il faut le reconnaître. Mais si ta colère est courte, va-t'en. Ça vaut mieux. Je t'emmerde. Le commandant est là. Vous pouvez présenter votre plainte maintenant. J'ai changé d'avis, je porterai pas plainte. Cinquième tableau. Deux années ont passé. La guerre s'étend à des contrées toujours plus vastes. Par les routes du hasard, la carriole de la mère Courage a parcouru la Pologne, la Moravie, l'Italie pour revenir en Bavière. 1631, la victoire de Tilly près de Magdebourg coûte 4 chemises d'officier à la mère Courage. Pas d'argent, pas de solde, pas de gnôle. Et moi je peux boire. Je suis arrivé trop tard pour le pillage. Le capitaine nous a roulés. Il nous a abandonné la ville juste pour une heure. Faut être humain, qu'il a dit. Ceux de la ville ont dû l'acheter. Si
Il y a encore des blessés. Ils sont étendus dans la cour de la ferme. C'est la famille du paysan. Il faut de la toile. Je n'en ai pas. J'ai donné mes derniers pansements au 2e régiment chinois et je ne déchirerai pas mes chemises d'officier pour ces gens-là. Mais il faut de la toile, je vous dis. Je ne donne rien. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Pourquoi vous restez assis là sur la camarade? Le bétail. Ah, c'est bien ça, hein. Ces gens-là ne veulent rien lâcher, et moi, il faudrait que je me fende en quatre. Je ne donne rien. Ce sont des protestants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être protestants? Ils n'en ont rien à faire, la religion, à présent. Leur ferme est perdue. Mais non, c'est pas des protestants. C'est des catholiques, comme toi et moi, viens. Mais ils ont qu'à sauver quand on les bombarde. Mon plan est perdu. Où est la toile? Non, je ne donne rien. Avec toutes les dépenses qu'on a, les douanes, les dîmes, les pots de vin. Mais quand je suis tabouré, mon vestibule, tu veux que je te gifle? Allez, marche, mon... Non, mais chez mes officiers, un demi-flot m'a blessé. Je suis ruiné. La petite, il a perdu. Retenez-la. Je ne mettrai plus le pied là-dedans. Allez-y doucement, le lin, ça vaut cher. Oh, tu es contente de toi maintenant, hein? Tu as encore réussi à traîner un bébé avec toi? Rends-le à sa mère tout de suite. Sinon, il va falloir que je bataille encore pendant des heures pour te l'arracher, tu m'entends? Et toi, mais arrête de me regarder comme un veau. On va plutôt leur dire d'éteindre la musique. On le voit bien qu'ils ont remporté une victoire. J'y perds toujours des plumes dans vos victoires. Ah, le sang passe à travers. Elle arrive encore à être heureuse dans toute cette misère. Prends cet enfant à sa mère, elle a repris connaissance. Non, assez de victoire. Paye. J'ai rien. Mets ton manteau, donne-le-moi. Comme c'est sûrement un manteau volé. Il y a encore quelqu'un sous les ruines. Sixième tableau. Devant la ville d'Ingolstadt en Bavière, Mercourage assiste aux funérailles du maréchal d'Empire Tilly. Il est question des héros et de la durée de la guerre. L'aumônier se plaint de ses talents inemployés et la muette Catherine reçoit en cadeau les bottines rouges. Nous sommes à l'an de grâce 1632. Le cortège funèbre se met en route à présent. Oh, mon maréchal de l'Empire. 22 paires de chaussettes. Un coup de malchance, il y est resté, paraît-il. C'est la faute d'un brouillard qui traînait sur les champs. Il a crié à ses hommes, battez-vous jusqu'à la mort. Et comme il s'en retournait vers l'arrière, au petit trot de son cheval, il s'est perdu dans le brouillard, s'est retrouvé en pleine bataille où un boulet l'a saisi. Avant qu'il ait pu crier gare. Que quatre falots. C'est une honte. On enterre leur maréchal, ils s'esquivent tous du cortège funèbre. On n'aurait pas dû payer la solde avant la cérémonie. Maintenant, ils vont tous se saouler au lieu de suivre le cortège. Et vous, vous suivez pas le cortège? Ah, pensez-vous? Il pleut trop. Vous, évidemment, c'est pas pareil. La pluie abîmerait votre uniforme. Il paraît qu'on voulait faire sonner toutes les cloches pour son enterrement au maréchal, comme c'est l'usage. Et puis on s'est rendu compte que tous les clochers étaient en ruine. Bombardés sur l'ordre du maréchal. Oh, maréchal d'Empire, il n'entendra même pas sonner les cloches quand on descendra dans son trou. À la place, ils vont tirer trois coups de canon pour donner un peu de ton à ses funérailles. 17 ceinturons. De la cantinière, un verre de gnôle. L'argent d'abord. Non, on n'entre pas dans ma carriole avec des bottes crottées. Vous allez voir dehors qu'il pleut ou non. Je ne laisse entrer que les officiers. Il paraît qu'il avait des gros ennuis ces derniers temps, le maréchal. Et que le 2e régiment, ça tournait à la mutinerie, il ne payait plus la solde. Il disait que dans une guerre de religion, on doit se battre gratuitement. Ah, maintenant, il défile devant le corbillard. Ouais, ils me font pitié, hein, tous ces maréchaux, empereurs et compagnie. Prenez ce maréchal d'Empire, par exemple. Peut-être qu'il se dit, je vais en mettre un fier coup, qu'on parle de moi dans les temps à venir, qu'on me dresse une statue. Je vais conquérir le monde entier, par exemple. C'est un bel idéal pour un militaire, hein. Dans un métier comme ça, il n'y a pas mieux. Enfin, il s'use à la tâche et pour finir, tout rate. La faute à qui? Au peuple. Qui ne rêve que d'une chose, boire des ponts de bière en joyeuse compagnie. Les plus nobles projets s'effondrent par la mesquinerie des gens qui devraient les réaliser. Ces pauvres maréchaux, empereurs et compagnie, ils ne peuvent rien réaliser tout seuls. Hein. C'est un fait, ils sont obligés de compter sur l'appui de leurs soldats et de leur peuple. Pas vrai? Courage, vous avez raison. Et vous jugez mal les soldats. Hein, ils soutiennent leur chef du mieux qu'ils peuvent. Tenez! Prenez celui-là, là, qui sirote sa gnôle sous la pluie, là-bas. Avec des gars de cette trempe,
Je m'engage à mener guerre sur guerre pendant 100 ans et plus. Ouais, et même 2 guerres de front, sans être pour autant ni général ni grand stratège. Alors vous pensez pas que la guerre risque de finir? Parce qu'un maréchal est mort, faites pas l'enfant. Les maréchaux s'en trouvent à la douzaine, c'est pas les héros qui manquent. Mais c'était pas une question à l'heure, vous savez, l'aumônier. Ben, c'est que je me demande s'il faut que j'achète des marchandises. Je pourrais les avoir à bon compte en ce moment. Mais si la guerre allait cesser, j'aurais plus qu'à les jeter au fumier. Ouais. Oui, je vois, c'est sérieux. Ouais. Vous savez, il y a toujours des gens pour aller crier partout. Ben, un jour, la guerre finira. Et moi, je réponds, voir. Hein. C'est pas dit. Bien sûr, de temps en temps, on a envie de souffler un peu. Il arrive même de tomber malade. Tout est possible. Rien n'est parfait sur cette terre. Une guerre parfaite. On ne s'en rencontrera peut-être jamais. Une dont on puisse dire, voilà, une guerre absolument irréprochable. Forcément, un jour ou l'autre, elle vient buter contre un imprévu. Il suffit parfois d'un rien, un petit oubli, on ne peut pas penser à tout. Et voilà le désordre qui recommence. Hein. Il faut remettre la guerre sur pied une fois de plus. Il est vrai que l'empereur, le roi et le pape se chargent de lui venir en aide dans sa détresse. En somme, elle n'a pas grand-chose à craindre, hein. Elle a bien des chances de nous enterrer tous. À boire, cantinière, hâte-toi! Le militaire n'a qu'une heure. Il doit se battre pour son empereur. Double tournée aujourd'hui, jour de fête. Si je pouvais vous croire... Ben réfléchissez, je vous demande un peu qu'est-ce qui pourrait arrêter la guerre. Il doit se battre pour son empereur. Et la paix, qu'est-ce que vous en faites? Je suis de Bohême, et je voudrais bien rentrer chez moi. Bien rentrer chez vous. Vous savez, la paix... Que reste-t-il du trou quand on a mangé le fromage? Bombarde, camarade! Hâte-toi! Le dragon n'a qu'une heure. Tant qu'il est temps, il doit s'enrôler, s'engager pour son Kaiser. Il doit mourir! Il doit mourir! Enfin, la guerre ne peut pas durer toujours. L'homme a besoin de paix pour vivre. Mais la guerre n'exclut pas la paix, si j'ose dire. La guerre a ses moments paisibles. Elle satisfait tous les besoins de l'homme, y compris les besoins pacifiques. C'est organisé comme cela, sinon la guerre ne serait pas viable. Hein, on pose aussi paisiblement culotte en temps de paix qu'en temps de guerre. Hein, entre deux escarmouches, on vide aussi bien son pot de bière. Et même en marchant à l'ennemi, on arrive à faire son petit somme, tassé dans un fossé, la tête sur un caillou. On s'arrange toujours. Bon, pas moyen de jouer aux cartes quand les tambours battent la charge, évidemment. Mais est-ce qu'on y joue au labour en temps de paix? Tandis qu'après la victoire, il y a toutes sortes d'occasions. Il arrive que tu perdes un membre. Une jambe, par exemple, ça c'est vu. Tu commences par crier vengeance au ciel, comme si c'était la fin de tout. Puis tu te calmes. Hein, on paye un coup à boire. Tu te remets en route clopin-clopin, ce qui n'empêche pas la guerre de marcher aussi bien que si tu avais encore tes deux jambes. Et qui t'empêche de procréer au plus fort du carnage, dans l'herbe haute ou derrière une meule de foin. Alors la guerre s'empare de tes rejetons, ils l'entretiennent à leur tour, et la fête continue. Oui, d'une façon ou d'une autre, la guerre s'en sort toujours. Pourquoi voulez-vous qu'elle finisse? Alors, c'est le moment d'acheter, je vous fais confiance. Catherine! Oh mon Dieu, Jésus-Marie, c'est vrai qu'elle attend la paix comme le Messie. Le premier mari, c'est tout à fait revenu. Je gagne. Fallait pas ton conseil? À vous de payer. Catherine, la guerre va durer encore un peu. Comme ça, on gagnera encore un peu d'argent. Et la paix sera d'autant plus belle. Allez, tu vas aller en ville. Tu iras chercher au Lion d'Or les effets qui y sont. Tu prendras les plus de légumes, les choses qui sont mieux, en meilleur état. On ira chercher les autres après, avec la boulotte. La secrétaire va t'accompagner. Hein? La plupart des soldats sont à l'enterrement du maréchal. Il ne peut rien t'arriver. Fais attention qu'on ne te vole rien. Pense à ton trousseau, Catherine. Souvent, je vous admire. À vous voir comme cela, menez votre commerce et toujours vous tirer d'affaires. Je comprends qu'on vous appelle courage. Les pauvres gens ont bien besoin de courage. Sans quoi ils sont perdus. Ils
leur en faut, rien que pour se lever le matin. Labourer son champ en pleine guerre. Mettre des enfants au monde quand l'avenir est sans espoir. Cela suppose un rude courage. Et quel courage ne leur faut-il pas pour oser s'affronter les yeux dans les yeux au cours de batailles où on les oblige à se massacrer les uns les autres. Et supporter docilement comme ils le font leurs papes, leurs empereurs. C'est faire preuve d'un courage effrayant car ces gens-là leur coûtent la vie. Pourriez me fendre un peu de bois? Je suis pêcheur d'âme, courage, je ne suis pas bûcheron. Et moi, j'ai pas d'âme à pêcher, mais j'ai du bois à couper. Qu'est-ce que c'est que cette pipe, là? C'est une pipe, hein? Non, c'est pas une pipe, c'est la pipe. Ah! Ouais. La pipe du cuisinier. Le cuisinier du régiment d'Ochsenstern. Pourquoi demander si vous le savez, hypocrite? Mais parce que je me demande si vous fumez consciemment. Cette pipe-là, oui, c'est pour en fouillant dans votre matériel, une pipe, n'importe quelle pipe, qui vous tombe sous la main. Et vous la fumiez comme par distraction pure. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Parce qu'il n'en est pas ainsi. Vous la fumez consciemment. Et quand cela serait? Courage! Mon devoir est de vous mettre en garde. Hein, il est peu probable que vous revoyiez jamais ce monsieur. Ce n'est pas tant pis, c'est tant mieux. Et il m'a pas fait une grande impression, bien au contraire. Oh, c'était un gentil garçon. Vous appelez ça un gentil garçon? Pas moi. Je ne veux pas le moindre mal, mais gentil, ça, non. J'appelle pas ça un gentil garçon, ce serait plutôt une sorte de donjon rusé. Vous ne croyez pas? Non, non. Bah, regardez bien cette pipe. Et avouez qu'elle jette une bien triste lumière sur son caractère. J'y vois rien, elle est usée, voilà tout. Et cette pipe est percée à coups de dents. Une brute. C'est la pipe d'une brute sans foi ni loi. Voilà ce que vous verriez si vous restez encore une parcelle de bon sens. Ne me mettez pas ce bio en pièces! Je suis pêcheur d'âme, quoi, je suis pas bûcheron. J'ai étudié la théologie. On gaspille ici mes talents et mon savoir à des travaux de force. On laisse en friche les dons que Dieu m'a donnés dans sa grâce, c'est un péché! Et jamais vous ne m'avez entendu prêcher. Hein? Un seul de mes sermons galvanise tous les hommes d'un régiment. À tel point qu'il ne voit plus dans l'armée ennemie qu'un troupeau d'agneaux bêlants. Mais qu'est-ce que leur vie, désormais, au regard de la victoire finale? Une loque puante dont on se débarrasse. Dieu m'a donné l'éloquence. Je prêche à vous ravir l'usage de vos yeux et de vos oreilles. J'ai pas envie de perdre l'usage de mes yeux et de mes oreilles. Qu'est-ce que je deviendrai? Je me suis dit souvent, courage, que sous vos airs désabusés se cachait une nature ardente. Vous n'avez pas besoin de chaleur comme créature humaine. Bon, il fera chaud sous ma tente pourvu qu'on ait du bois en suffisance. Écoutez-moi. Vous dérobez pas. J'ai pensé plus d'une fois à la vie que nous pourrions mener si nous établissions entre nous des liens plus étroits. Les ouragans de ce siècle guerrier nous ont étrangement rapprochés. Je les trouve assez étroits comme cela. Je vous prépare vos repas et vous me le rendez du mieux que vous pouvez. En coupant du bois, par exemple. Et vous savez ce que j'entends par étroit. Cela n'a rien à voir avec la cuisine, la corvée de bois ou tout autre de ces villes nécessités. Laissez parler votre cœur. Vous endurcissez pas. Allez-y doucement, là. À force de secouer votre hache, vous allez finir par trancher ces beaux liens. Et vous ne moquez pas. C'est sérieux ce que je vous dis, j'y ai mûrement réfléchi. Soyez raisonnable, l'aumônier. Je vous aime bien, ne me forcez pas à vous gronder. Tout ce que je cherche en ce moment, c'est à me tirer d'affaire au mieux, moi et les enfants qui me restent. J'ai pas le cœur à la romance. Je prends de gros risques en ce moment en achetant du matériel.
Le maréchal d'Empire est mort, tout le monde parle de paix. Si je perds tout mon bien, qu'est-ce que vous deviendrez? Vous voyez, vous n'en savez rien. Allez, coupez-nous du bois. Nous aurons chaud le soir et par les temps qui courent, c'est pas si mal. Catherine! Ils t'ont attaqué sur le chemin du retour. J'aurais pas dû te laisser aller seule. C'est rien, juste une écorchure. Attends. Attends. Je vais te mettre un bandeau sur l'œil et dans 8 jours, il paraîtra plus. Ils sont pires que les bêtes! Ces gens-là ne violaient personne tant qu'ils vivaient en paix chez eux. Les coupables, ce sont ceux qui poussent à la guerre. Ils mettent l'humanité sans dessus dessous et font du vice la vertu. La plaie n'est pas profonde. Il n'en restera rien. Là, le pansement est fait. Arrête de pleurer. J'ai quelque chose pour toi. Tu en ouvriras des yeux quand tu verras ce que c'est. Je l'ai mis de côté sans que tu t'en aperçois. Hein? Ça te fait plaisir? Depuis le temps que t'en avais envie. Mêlée avant que je le regrette. Il n'en restera rien. Et même s'il y paraissait un peu, c'est pas moi qui m'en plaindrais. Il n'y a pas plus triste sort que celui des filles qui leur plaisent. Ils les traînent jusqu'à ce qu'elles soient finies. Quand on leur déplaît, au moins, ils vous laissent la vie. J'en ai vu aller de ces filles ravissantes à voir, et ben, en moins de rien, elles avaient pris un air à faire fuir les loups. Elles ne peuvent plus passer derrière un platane sans avoir à craindre un mauvais coup, c'est plus une vie. C'est comme les arbres. Les arbres droits et vigoureux, on les abat pour en faire des poutres. Les arbres torts, on les laisse vivre en paix. Ainsi, tu devrais t'estimer heureuse. Elles sont encore en bon état, ces bottes. Je les avais graissées avant de les cacher. Espérons qu'elles ne soient pas défigurées. Il lui restera toujours une cicatrice. Elle a fini d'espérer la paix. C'est bien battu. On lui a rien volé. J'aurais peut-être pas dû lui dire de se défendre. Si je pouvais savoir ce qui se passe dans sa tête. Une fois, elle n'est pas rentrée de la nuit. Une seule fois, dans toute l'année. Ensuite, elle a continué d'aller et de venir, comme auparavant, mais elle s'est mise à travailler davantage. J'ai jamais pu savoir ce qui lui était arrivé cette nuit-là. C'est ça, la guerre. Je n'y gagne pas. Les voilà qui enterrent le maréchal. C'est un moment historique. Ils ont blessé ma fille au visage. C'est ça pour moi le moment historique. Ils l'ont à moitié défigurée, si bien qu'elle trouvera plus de mari, elle qui raffole des enfants. D'ailleurs, si elle est muette, c'est encore la faute de la guerre. Toute petite. Un soldat lui a enfourné du crottin dans la bouche. Petit suis, je le verrai plus. Et Aïlif. Dieu seul sait où il est. Maudite soit la guerre.